طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان espérant que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc, on continue l'explication ou la lecture de l'histoire de Yusuf alayhi Et nous voilà sur la fin. Donc, après que Allah Ta'ala l'ait éprouvé, comme on l'a vu dans les cours précédents, il a vécu plusieurs épreuves. Et bien évidemment après la difficulté vient vient automatiquement la facilité et ça c'est une promesse que Allah Ta'ala nous a fait. Et on s'était arrêté lorsque les frères de Yousuf se sont présentés à lui. Et c'était là qu'on s'était arrêté hier donc on va reprendre à partir d'ici. Et on demande à Allah Ta'ala nous faciliter donc lorsque leurs frères sont arrivés lui il les a reconnus mais ses frères lui eux ils ne l'ont pas reconnu parce qu'à la base déjà eux pour eux il est sûrement décédé il est sûrement mort depuis depuis très longtemps donc Yossouf, il leur a, il leur a demandé d'où vous êtes qui est votre père? Ils ont dit notre père, c'est Ya'akoub, le fils de Ishaq le fils de Ibrahim. Il leur a demandé, est-ce que vous avez un autre frère? Ils ont répondu, non. Il leur a dit, non, on a un autre frère et son nom c'est Benjamin. Il a dit "Pourquoi n'est-ce Donc il leur a demandé pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec vous. "Car notre père ne le quitte la et n'aime pas qu'il soit éloigné de lui." Il a dit "Qu'est-ce qui ne le quitte pas Est-ce qu'il est un enfant très petit Donc quand il l'aura demandé, il leur a dit "Mais c'est quoi la cause pour laquelle votre père ne le laisse pas partir avec vous. Que un petit enfant قالوا لا ولكن كان له أَخٌ اسمه يوسف ذهب معنا مره وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذئب وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقل شيئا وَاشْتَقَى يوسف Lorsqu il a Benyamin. Regardez ce qui est el Lorsqu'il leur a demandé la cause pour laquelle Yaakoub, leur père, ne laissait pas ou ne laissait pas Benyamin partir avec eux, regardez ce qu'ils qu ont répondu. Ils disent, eux, ils savent pas qu'ils sont en train de parler avec Youssef. Ça rien. Donc, ils disent, il avait un frère à l'époque. Et il est parti avec nous en balade, on l'a laissé auprès de nos affaires, et le loup, il l'a mangé. C'est-à-dire qu'une histoire qu'ils ont inventée, ils sont en train de la raconter à une personne qu'ils ne connaissent pas, comme si c'était une vraie histoire. Donc le faux, ils sont en train d'essayer de le faire devenir vrai, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de parler avec Youssef. Donc Youssef il a rigolé en lui dans sa propre personne il a dit est-ce que c'est pas vous qui m'avez jeté dans, dans le puits mais il n'a pas parlé wa Allah ou قبل هذا يوسف نفسه ولكن لم يكن شيء يوسف الله يعقوب لهم يوسف بالطعام وقال لهم Min Donc, Youssouf, à ce moment-là, ou Allah Ta'ala, il a voulu éprouver encore Ya'Akoub. Donc, Youssouf, il leur a dit si vous ne venez pas avec votre frère, vous n'aurez pas ce pourquoi vous êtes venu ici. Donc, il leur a dit, vous ne trouverez pas de, de nourriture ou quoi que ce soit ici si vous ne venez pas avec Benyamin. Donc, là, Yusuf, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu Benyamin, qu'il n'a pas vu son père. Mais il est dans une situation où il a une responsabilité. Et vous savez que le voyage, ce n'était pas comme aujourd'hui, je vais aller à tel endroit, je monte dans l'avion, j'y vais. Non, il y a un voyage à faire, il y a du temps. Et lui, il est, euh, comme vous le savez, il était trésorier, il était responsable des richesses de tout le pays. Donc il leur a dit, comme il voulait voir son, son frère, il leur a dit Vous n'aurez rien d'ici. Et je vous rappelle que c'était la famine. Vous n'aurez rien d'ici tant que vous ne venez pas avec, votre petit, avec le petit frère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc les frères, ils sont repartis auprès de Taïa Donc parti, ils sont partis, ils l'ont informé. Donc ils ont dit... Il faut que tu envoies Benyamin avec nous. Si tu ne l'envoies pas avec nous, on ne trouvera rien auprès de l'Aziz. <Yamin> Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit Lorsqu'ils ont demandé à Yaakoub d'envoyer Benyamin, ils ont dit, ô oh, notre Père, « Oh, notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin qu'on afin qu obtienne ce qu'on a besoin. » Et ensuite, ils disent « Nous le surveillerons bien. » D'accord Et qu'est-ce que Yaakoub, il leur aura, il a aura répondu ?« min wa huwa Donc là, qu'est-ce que Yakub leur a dit? Il leur dit, vais je vous le confier comme auparavant, je vous ai confié son frère. Vous vous souvenez quand je vous ai confié Youssouf est-ce que je vais vous le confier de la même manière et vous allez encore me créer une histoire avec lui Mais Allah est le meilleur des gardiens. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Jamil. Est-ce que vous avez oublié l'histoire de Youssef Est-ce que vous allez préserver Benyamin comme vous avez préservé Youssef ستاجير كي فو لافي تو فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. وكما اون ووجدوا مالهم في متاعهم فقالوا لابيهم ان العزيز رجل كريم وقد رد مالنا ولم ياخذ منا فَمَنَّ ارسل معنا بن يمين ناخذ حقه ايضا. قال لهم يعقوب لن أرسل معه أو معكم حتى تعاهدوا الله أنكم ترجعون به إلا أن تغلبوا على أمركم Donc il leur a dit, je ne l'enverrai pas avec vous tant que vous, vous promettez par Allah que vous allez revenir avec lui. D'accord Et Vous prêtez, vous, vous, euh, vous prêtez serment que vous allez vous occuper de lui le préserver et revenir avec lui donc bien évidemment ils l'ont ils fait et ensuite Yaakoub, qu'est-ce qu'il a dit d'accord donc Allah, il est le garant de ce que on est en train de de dire actuellement. Taïb Jamil. Ensuite, Yaakoub, il a autorisé à Benyamin le fait de, de voyager. Il leur a donné quelques conseils. Il leur a dit, allez chercher notre risque. Et comme vous le saviez, c'était quelqu'un d'âgé, donc il n'avait plus cette possibilité-là d'aller chercher le risque, etc. Donc, il a envoyé ses enfants, il avait perdu la vue à cause du chagrin d'avoir perdu Youssouf, donc il pleurait, 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 il avait perdu la vue. Donc, c'était vraiment une situation qui était compliquée. Donc, lorsque les frères... Ils sont, ils ont, ils sont partis. Ils sont dirigés vers, vers Misr. Wa darhal wa darhal irhuatumin abuay bin mutfarrika, comme a marahum abuhum, wa wasalu ila Yusuf. Donc ils sont entrés en Égypte par des portes différentes, comme leur père leur avait ordonné, et ils sont arrivés auprès de, de Yusuf. Walla ma raa Yusuf bin Yamin fariha jeddan wa anzalahu fi baitih. Donc lorsque Youssouf a vu Benyamin, il était très heureux. Après toutes ces années, il voit son frère et avec qui il a grandi. Et, pas, et Benyamin, c'était le seul qui n'entrait pas avec les autres frères dans la jalousie et essayait de nuire à Youssouf. Donc il l'a fait descendre dans sa maison. Donc directement, il l'a informé, il a dit, ne, ne panique pas, je suis certes ton frère Youssouf. il faut savoir que Benyamin, de ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que lui aussi, les frères, il le jalousait, comme vous vous souvenez au début, il le jalousait. Donc, qui dit jalousie, il essayait de le nuire. Donc, lorsque Youssouf, Benyamin, il est venu à ses côtés, il sait que ses frères ont le même comportement qu'ils avaient eu avec lui. Wa atma anna benyamin, benyamin il a été apaisé. Wa laqiyayusuf benyamin ba'da zaman ta'wil. Donc ils se sont rencontrés les deux frères après un long moment. Fadakara ummahu wa abahu wa zakara beitahu wa zakara sirahahu. Donc ils se sont racontés

il veut que son frère, qu'il aime, il reste avec lui. Mais comment est-ce qu'il va faire pour faire rester son frère avec lui sans aucune raison Et ses frères, ils ont prêté serment et ils ne savent même pas déjà que c'est Yousuf. Donc comment est-ce qu'il va faire C'est là où est-ce Allah Ta'ala, il l'a... Euh, insufflé la manière qu'il allait, qu allait, euh, qu allait utiliser pour, gagner, pour garder Benjamin auprès de lui en réalité tout ça c'était des plans pour arriver au final et vous allez voir comment est-ce que ça va se passer <laughs> بغير سبب ان هذا لظلم عظيم ولكن يوسف كان ذكيا عاقلا دونك يوسف il était très intelligent comme on l'a dit donc plus ce que Allah Ta'ala lui a facilité كان عند يوسف اناء ثمين وكان يشرب في وضع هذا الاناء في متاع بنيامين واذن مؤذن دونك يوسف il avait un euh, On va dire un ina, un verre ou un vase. Ou un... On va dire un verre. Et il l'a mis dans les affaires de, de Benjamin. D'accord Il l'a mis dans, dans les affaires de, de Benjamin, son frère. Car automatiquement, lorsqu'on va chercher ce vase ou ce verre, on va fouiller les gens qui sont venus auprès du roi. Et si on trouve ce verre ou ce vase auprès de quelqu'un, tout dépend la loi de la de soit de tel roi ou de tel roi. Qu'est-ce qui se passe Parmi, il y avait des lois qui disaient que si quelqu'un vole une personne et la personne elle trouve euh, ce voleur là. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe Ce voleur, il devient euh, esclave de la personne. D'accord Taïb, maintenant, on avance. Vous avez cette information-là, maintenant. On avance. Donc, lorsque Al-Mu'avvin, l'appelleur, il a crié que le verre ou le vase, il avait disparu, ils ont dit il y a quelqu'un qui a volé donc maintenant il faut voir qui parmi les personnes présentes a volé ce verre taib waltafata al ikhwa wa qalu maza tafqidun qu'est-ce que vous avez perdu qalu nafqidu siwa yani ina al malik liman jaa bihi himlun ba'ir Allez, celui qui vient avec, il a une grosse récompense. Ensuite, bien évidemment, maintenant, ils sont dans une situation où, où ils ont peur. Enfin, ils n'ont pas peur à la base, parce qu'ils disent que nous, c'est sûr, on n'a rien volé. Donc on va lire maintenant directement dans, dans le Coran, ils disent, par là, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire. Et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la sanction si vous êtes des menteurs Ils leur ont demandé quelle sera la sanction si vous êtes des, des menteurs. Ils dirent la sanction infligée à celui dont les bagages, de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol, car ainsi, car c'est ainsi que nous punissons les, les malfaiteurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils ont commencé à fouiller. Bien évidemment, ils ont commencé à fouiller les frères. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont avancé, avancé. Ils sont arrivés jusqu'à jusqu Benyamin. « Wa kharajal ina min mata'i Benyamin, fa <fact> khaji lal <Palestine> ikhwa, wa lakin kalu min ghayri khajal. In yasrik Benyamin, qad saraqa akhun lahu Yousuf min kabl. Donc, lorsqu'ils ont trouvé le verre auprès de, ou le récipient auprès de Benjamin, ils ont été surpris et ensuite ils ont dit une phrase encore plus surprenante. Ils ont dit Nous ne sommes pas surpris que Benjamin soit un voleur. Certes, son frère, avant lui, aussi était parmi les voleurs. Ou avant lui, son frère aussi, il a volé. En parlant de qui En parlant de Youssouf. Sauf que Youssouf, c'est lui qui est devant eux actuellement. Est-ce que vous comprenez C'est lui qui est devant eux à ce moment-là. Youssef, il a entendu cette, cette, cette grosse accusation qui était fausse encore une fois. Il est resté tranquille. Ce n'était pas le moment. Il est resté tranquille. Ensuite, ils lui ont dit... قالوا يا أيها العزيز إن لو أبا شيخا كبير فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجد إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمين أو لظالمون. donc ici les frères ils se Du pacte qu'ils avaient passé avec leur père. Et là, ils commençaient à réfléchir, mais comment est-ce qu'on va revenir sans Benjamin Peu importe ce qu'on va dire, notre père, il ne va pas nous écouter. Comment est-ce qu'on va faire Donc, ils ont dit, ils ont dit, notre père est très vieux. Saisis donc l'un d'entre nous à sa place et laisse-le lui. Sauf que Youssou, à la base, il a fait tout ça pour garder Benjamin auprès de lui et pas pour garder un de ses frères. D'accord Et qu'est-ce qu'il leur a répondu Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Et c'est vrai. Comment est-ce que je vais venir prendre quelqu'un d'autre qui n'a rien fait pour remplacer la personne qui a volé Or que la punition du voleur, c'est justement pour l'arrêter de voler. Donc si la personne, c'est vraiment un voleur et qu'on le laisse, il va repartir voler autre part. Donc ça n'a au aucun sens de prendre quelqu'un d'autre à sa place. Ouais, kadha Alors, dès qu'ils ont compris que lorsqu'ils ont compris que Benyamin allait rester, il a volé, il va rester. Ouais, Benyamin, donc une fois qu'ils ont réussi entre guillemets le plan ils étaient très contents ils étaient très contents ils ont pu passer du moment des moments ensemble Donc, donc maintenant, il faut que les frères ils partent auprès de Yaakoub et ils lui expliquent ce qui s'est passé. est-ce que Yaakoub il est habilité à croire et à écouter ce que ses fils, ils vont lui dire. Après tout ce qui s'est passé, après tout, si vous vous souvenez tout ce qui s'est passé avec euh, avec Yousouf, etc. Est-ce que le père maintenant, il est habilité à écouter ce que ses enfants vont lui dire? et إن إنهم فجعوه أمس في يوسف أفيفجعونه اليوم في بنيامين أما كبيرهم فأبى أن يرجع إلى يعقوب وقال لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له أو فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Donc, là, ils sont arrivés dans une situation où ils ont commencé à discuter. Le plus grand d'entre eux, il a dit Non, moi, je ne reviens pas à la maison. J'ai donné ma parole. Je vais, je vais rester en Égypte, je vais rester à Misr, jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais je n'en rentrerai pas sur Benjamin. Il a dit Par contre, vous, allez-y et dites telle chose. Retournez auprès de votre père et dites. Ô oh, notre Père, ton fils a volé et nous n'attestons que de ce que nous savons et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Donc, ils sont partis bien évidemment et ils ont dit ça à leur Père. Mais cette fois-ci, leur Père, il a... Il a eu un, un pressentiment. Il a compris que cette fois-là, ce n'était pas comme la première fois. Que là, il y avait vraiment, il y allait avoir une issue. Que cette fois-ci, il s'est détourné d'eux. Il a été très triste. Mais il a su que là, ce n'était pas comme la deuxième fois. Euh, ce n'était pas comme la première fois. Et il dit. Il dit. Inna lillahi Nam, inna ou inna Allah la la fil ithnayn ou fi ifnain, Kay Yusuf wa ben Binyamin. Donc Allah va pas me prouver deux fois, dans Yusuf et dans et dans ben Inna Lilla fi dhalika hikmatan Donc dans cette affaire là, il y a Allah Ta'ala, il y a une sagesse qui est cachée. Mais il y a quelque chose. Et il dit Donc il dit, Allah Ta'ala, constamment, il éprouve son serviteur. Il l'éprouve, il l'éprouve, il l'éprouve. Et ensuite, d'un coup, qu'est-ce qu'il fait Il vient avec quelque chose. qu'il lui fait plaisir ثم ان الابن الكبير بقي في مصر ايضا وابى ان يرجع الى كنعان أفيفجع في الثالث ايضا وقد من قبل في اثنين ان هذا لا يكون وهنا اطمأن يعقوب donc il dit J'ai été éprouvé dans Youssouf. Dans Benjamin, plus mon grand, le plus grand, il n'est pas revenu. Est-ce que c'est possible qu'Allah me fasse ça à moi tout seul Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui va arriver. Allah ta'ala, il va me donner mieux que tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Il a été apaisé. Ensuite, il a dit, comme c'est vu dans le Coran, Asallah, en y'a'tiyani bihim, jami'a. Il a dit. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Innahu huwa al Car c'est lui l'omniscient et le sage. Donc regardez la confiance, l'épreuve, mais il y a quelque chose derrière ça. -raja, constamment, il a l'espoir. Et ça, ça doit être quelque chose pour nous. On doit lire ces histoires-là et se remettre en question. Ses deux enfants ils sont partis. Son plus grand, il est parti. Il a perdu trois enfants. Mais il continue à espérer, à invoquer Allah et à patienter. « Ola kinna ya'akoub kene <music> basharan fi sadrihi qalbu basharin la kit'atu hajar <jazz> fa zakara yusuf wa tajaddada huznuhu wa qale ya'asafa ala donc, bien évidemment, il avait un grand espoir et il savait qu'Allah ta'ala allait lui faciliter. Mais est-ce que le fait de savoir ça, ça fait que tu n'es pas triste Non. Tu peux avoir l'espoir en Allah, mais qu'une épreuve te touche et tu es et triste. Mais l'espoir que tu places en ton Seigneur, elle fait que tu patientes d'une bonne patience. Comme lorsque le prophète, Ali il a perdu... Où il a perdu par exemple Ibrahim, son fils. Il a pleuré. Il était éprouvé. Il a pleuré parce qu'il aimait son fils. Mais il a patienté d'une bonne patience. On ne dit que ce qu'il plaît à Allah, comme c'est vu dans le hadith. Ensuite, il aura وكان يعقوب يعلم أن اليأس ضعف وكان يعقوب له رجاء كبير في الله وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر ليبحثوا عن يوسف وبنيامين ويجتهدوا في ذلك ومنعهم يعقوب من أن يقنطوا من رحمة الله وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة يا سلام دوك أسمو الله Jacob, il a ordonné à ses enfants de retourner en Égypte. De retourner en Égypte. Et il leur a dit, il leur a interdit le fait de, de, de désespérer de la miséricorde d'Allah. Il leur a interdit. Il leur a dit, ne, ne vous découragez pas et ne désespérez pas de la miséricorde. De votre Seigneur, allez, vous allez trouver Yusuf et Benyamin. » Et eux, les frères, ils avaient la certitude que Yusuf, en tout cas, il était mort. Donc, oui, on va aller chercher Benjamin, mais Yusuf, là, tu t es, t es encore dans, dans, tes, euh, dans tes fausses pensées. On t'a dit que Yusuf, il était, il était mort. Donc les frères, ils sont rentrés auprès de, de Yousuf et ils ont commencé à se plaindre, à leur dire qu'ils sont dans une situation catastrophique. Leur père, il est dans, une très, dans, dans un très haut degré de tristesse ils n'ont plus rien à manger et ils ont demandé de les aider de les aider de faire revenir Benjamin et de les aider par rapport à la nourriture wahuna ha il huzn a fi yusuf yamlik abna wa abna un na malik a mata donc là ils viennent se plaindre il faut se rappeler quand même que, que c'est leur frère ou c'est ses frères c'est son père qui est en train aussi de se plaindre de la famine de la difficulté de la tristesse donc à ce moment là Youssouf, Yusuf.

Il dit savez-vous ce que vous avez fait de Yusuf et de son frère alors que vous étiez ignorants injustes Et là illa wa Donc lorsque al-Aziz pour eux c'était le Aziz le roi celui qui s'occupait des trésoreries il leur a dit, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait de Youssouf Automatiquement, ils ont su que c'était Youssouf. Parce que c'était un secret. C'était les frères qui étaient au courant et Youssouf. Donc si quelqu'un d'autre vient avec cette information-là, ça ne peut qu'être Youssouf. Fa'alimu Annahu, Youssouf. Et ils ont su, à ce moment-là, que c'était Yusuf Que c'était shakun, Il n'y avait plus aucun doute pour eux. Que celui avec qui ils étaient en train de parler, c'était Yusuf le fils de Yaakoub. Est-ce que tu es Yusuf

et très certainement, Allah le fait euh, ne le fait pas perdre la récompense ou, yani, na, ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc, Allah Ta'ala, celui qui est bienfaisant, celui qui crée Allah, Allah Ta'ala, à un moment donné va toujours, donner, va toujours lui donner, la victoire. Ça faut le, faut, faut le savoir. Celui qui ment, un jour ou l'autre. Son mensonge, il va sortir. Et quand il va sortir, tout le monde va savoir. Comme ça s'est passé avec Imra Aziz, avec la femme du roi. Il est parti en prison, il est resté, il a duré. Mais après, la vérité, elle est, elle est sortie. <coughs> Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères ils ont dit qu'Allah n'a pas favorisé nous et nous sommes certes des pécheurs. Bien évidemment maintenant, il y a plus de place pour le mensonge. Ils dirent par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été furtifs. Et ce qu'ils ont blâmé et ce

ils sont devant leur frère et ils ont su que c'était Yousuf. Donc après toutes les épreuves que Yousuf il a passées, nous voilà maintenant sur une autre partie de la vie de Yusuf. <music> Donc maintenant que tout a été dévoilé pourquoi est-ce que maintenant je dois entre guillemets me cacher et que je dois encore patienter sur le fait d'aller voir mon père maintenant il veut que son père il soit auprès de lui, bien évidemment. Donc, comme, on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yaakoub, son père, avec le fait d'avoir pleuré, 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 pleuré

Maintenant, il leur a dit emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il retrouvera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Donc maintenant vous avez souffert, c'est l'heure maintenant des, des retrouvailles. Donc, voilà ma sœur a rijalou bqamis yusuf il a dit, lorsque euh, on lui a ramené le vêtement, il dit, Yani, je sens l'odeur de Youssef ». قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم et lui ont dit tu es encore dans ton égarement euh, d'avant sauf que cette fois-ci c'était plus comme vous dites un égarement voilà kin kan yaqub sadiqan falamma anja albashir alqahu ala wajhihi فرتد basira Donc là, ici, c'est le, le Faraj. Puis, quand arriva le porteur de bonnes nouvelles ou de bonnes annonce, il appliqua sur le visage euh, le kamis il recouvra la vue aussitôt. Et ensuite, il leur a, il leur a dit Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas et à ce moment-là, tout le monde a compris et tout le monde savait qui disait vrai, qui disait faux, qui a menti, qui a dit la vérité. Et directement, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les enfants Il dit Oh, notre Père, demande pardon à notre Seigneur pour nous. On était certes parmi les fautifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur a répondu, leur père Je vais demander pardon pour vous à mon Seigneur, car il est certes le pardonneur, le miséricordieux. Donc après ça, bien évidemment, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant Maintenant, Yaakoub et toute la famille, ils vont se rendre auprès de Yusuf comme il leur a demandé. « Et quand Yaakoub est arrivé à Mithra, Youssef l'a accueilli, et il ne se demanda pas de ses de Donc lorsque Yaakoub est arrivé à Misr en Égypte, ils se sont rencontrés après tant d'années. Après tant d'années, ils se sont rencontrés, Yaakoub et, et Youssouf. Et ne demandez pas comment était leur bonheur. Yani Imaginez-vous, vous, vous n'avez pas vu votre mère pendant tant d'années et que vous retrouvez votre mère. Imaginez-vous euh, la joie que vous aurez. Imaginez-vous. C'est un, un jour mémorable. Donc il les a mis sur le trône du roi, et ils sont tous tombés prosternés pour Yousuf. Et ici la prosternation, bien évidemment, c'est par respect ou par hommage. D'accord Ce n'est pas une prosternation d'adoration. Wakala Yusuf Et ceux qui suivent, ceux qui sont là depuis le début et qui suivent bien, vous comprenez maintenant le tout début, le premier cours. Ça, c'est l'interprétation de mon nom. Ancien rêve. Vous vous souvenez le tout premier rêve de Youssouf Et bien voilà, lorsqu'il a dit Donc lorsqu'il a dit, quand Youssouf dit à son père Oh mon père, j'ai vu en songe onze étoiles et aussi le soleil et la lune, et eux tous ils étaient prosternés pour moi. Et lorsque son père il a entendu ça, qu'est-ce qu'il lui a dit Ne dis pas ça à, à tes frères. Vous vous souvenez du début de l'histoire Voilà que elle nous retrouve à la fin. Wa hamida yusuf, wa hamida Allah, hamdan tayyiba Bien évidemment, Yusuf et Yakoub, ils ont remercié, ils ont remercié, ils ont remercié Allah, car certes après. L'épreuve, toujours vient la facilité. Et la facilité, elle est arrivée. Après tout ce qu'on a, par tout ce qu'on est passé, la prison, Imratul Aziz, El Bir, le puits, la tristesse du père qui a perdu un, deux, trois de ses fils. Après, Yatil Faraj. Donc, toujours se rappeler patiente. Invoque, demande à Allah et attends tranquillement la facilité. Attends tranquillement la facilité. « Wa bakia wa alu Ya'akoub fi misr Donc, Ya'akoub, le père de Youssouf et sa famille, ils sont restés un long moment à Misr. Et après ça, après qu'il soit resté un long moment, Yaakoub et son épouse, ils sont morts en Égypte. D'accord Et, et c'est comme ça que l'histoire de Youssouf, salam, elle... Se termine. Et on demande à la Tarala de faire que ce qu'on a entendu soit bénéfique pour nous et qu'on ne l'écoute pas comme on écoute une simple histoire, mais on en tire vraiment des leçons pour nous les premiers. D'accord Pour nous les premiers et que cette histoire-là, elle soit une aide dans la vie de tous les jours pour nous notre manière, ou comment est-ce qu'on va rencontrer les problèmes, comment est-ce qu'on va faire face aux, aux épreuves. D'accord et, et vraiment, il faut que ce soit une leçon de patience et de voir que ceux qu'Allah aime, il les éprouve. Et là, on parle d'un prophète. Donc si, tu es éprouvé. En réalité, di Alhamdulillah, c'est qu'Allah Ta'ala pense à toi et il, il t'éprouve mais après l'épreuve vient certes la facilité. Allahu Musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa as'abihi ajma'in. Allahou Ta'ala a'la wa a'lam. جزاكم الله خيرا